Bonjour à tous, aujourd'hui on continue la petite série sur la spéculation sur ce que sera à peu près le prochain DLC. La dernière fois on a parlé de Torox, on a parlé de Neferata, donc on a parlé Comte Vampire, on a parlé Umbette, et là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de la Norska. Alors comme vous le savez, à ce jour on n'a que deux seigneurs légendaires pour la faction de Norska, ce qui fait que bah, c'est vraiment pas beaucoup et il y a beaucoup de gens qui réclament que ce soit retravaillé. Alors moi de mon côté, vu que la faction de Skegi existe déjà et qu'elle a une position de campagne intéressante puisqu'elle se trouve en Lustrie, dans le Nouveau Monde, par rapport aux deux autres factions de Norska qui sont bah, en Norska, eh bien ça pourrait être intéressant, surtout aussi aux côtés du lore, parce que du côté du lore, il y a des choses à dire sur Skegi, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, petite annonce, je vais lancer le sondage du mois de mai, donc n'hésitez pas à donner vos propositions de sujets de vidéo en commentaire de celle-ci, et dans une semaine, je vais en choisir 5, et on va faire le sondage du mois de mai sur cette base. Pour rappel, ça a été le cas donc pour Albéric de Bordelot pour le sondage du mois de mars, qui a eu sa propre vidéo, et Sartosa, qui est une vidéo qui va sortir dans une semaine, qui est le résultat du sondage du mois d'avril. Donc c'est vraiment votre chance de faire en sorte de pousser certains sujets afin de les mettre plus haut dans ma liste de choses à faire. Donc n'hésitez pas, tous les sujets seront traités au bout d'un moment, c'est juste que pour les prioriser, j'ai besoin de vous pour ce sondage. Allez, on reprend la vidéo. Les humains de Norska ont, de tout temps, été des grands navigateurs. Leur maîtrise des océans leur permet notamment de piller les côtes des différents continents, que l'on parle du Vieux Monde ou bien du Nouveau Monde. C'est d'ailleurs en 888, sur les côtes du Nouveau Monde, qu'un Norse du nom de Lostérixon et son équipage vont débarquer. Cette bande de pilleurs a choisi de débarquer en Lustrie plutôt que sur les continents de Nagaroth et d'Ultuan, qui étaient un peu trop bien gardés à leur goût. En posant pied à terre, les guerriers ne savaient pas à quoi s'attendre dans la jungle environnante, mais décidèrent tout de même de s'y aventurer, afin de trouver et piller les temples perdus dont on leur avait parlé. Sur une décision de leur chef, Lostérixon, certains marins restèrent pour garder les bateaux, afin d'éviter toute attaque d'autochtones visant à détruire leurs bateaux qui ne leur permettraient plus de rentrer en Norska. Le groupe s'était donc mis en mouvement, mais leur nombre diminua progressivement jusqu'à ce que la moitié de l'effectif ait disparu. Ces disparitions étaient en grande partie liées aux maladies transportées par les insectes locaux, mais aussi à des phénomènes étranges que les Norses ne parvenaient pas à expliquer. Le groupe avait été, en effet, pris en chasse par certains animaux de la faune locale qui avaient trouvé là un nouveau type de repas à se mettre sous la dent, le tout sans se faire repérer. D'autres Norses furent victimes de pièges déposés là par des hommes lézards il y a de cela très longtemps. Le groupe, bien que diminué, finit toutefois par atteindre une cité-temple abandonnée. Et c'est au bout d'une journée de recherche que le groupe réussit à mettre la main sur quelques maigres objets en or trouvés dans divers coffres et cryptes. De nouveaux guerriers furent portés disparus durant les recherches, et Lostérixon décida de retourner à ses bateaux tant que la situation lui était encore favorable. En effet, perdre trop d'hommes signifierait pour lui l'impossibilité de manœuvrer les navires, et donc l'impossibilité de retourner en Norska. Les guerriers du groupe se mirent donc en marche et retrouvèrent assez rapidement les bateaux sans pour autant perdre plus d'hommes que cela. Mais il y avait un problème, il ne restait plus aucune trace des marins qui étaient restés pour surveiller les bateaux. Pourtant, cela ne chagrina ni Lostérixon, ni son équipage, qui y voyait là une occasion de récupérer une plus grande part du butin. À leur retour en Norska, la nouvelle richesse de tous ces marins suscita un intérêt énorme de la part des autres nordiques, qui ne demandaient qu'une chose, s'y rendre par eux-mêmes, bien que la question des chances de survie n'ait pas beaucoup été abordée. C'est quelques années plus tard que Lostérixon ordonna la construction de nombreux navires afin de mener une expédition de grande ampleur dans les terres de la Lustrie. Sauf que cette fois, l'expédition n'avait pas seulement pour but de piller les terres intérieures du continent, mais aussi d'y établir un avant-poste, car certains guerriers avaient trouvé très appréciable le climat de ce nouveau continent. C'est donc guerriers, marchands, artisans, familles et animaux de ferme qui embarquèrent pour un grand voyage vers les côtes de la Lustrie. Le voyage n'a pas été tendre, mais une grande majorité des bateaux sont tout de même arrivés à bon port. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une palissade soit dressée et qu'une véritable colonie nordique soit construite. Le défrichement d'une part de la jungle permit aux nordiques de se protéger contre la faune sauvage, notamment les insectes, porteurs de nombreuses maladies, mais qui ne s'aventurent pas plus loin que la lisière de la forêt. En termes d'alimentation, les habitants se sont d'abord nourris de fruits, puis de viande des grands reptiles qu'ils se sont mis à chasser aux alentours de leur camp, et enfin, ont pu produire une hydromel de qualité exceptionnelle grâce au miel des énormes abeilles tropicales qui surpassaient tout type d'alcool qui était jusque-là produit en Norska. La première naissance de la colonie va être celle de la fille de Lostérixon lui-même. Il va donc en profiter pour baptiser sa fille Skegi et baptiser la ville en son honneur.
Avec les années et les nouvelles des richesses pillées par les guerriers de la colonie de Skegi, de nombreux Nordiques embarquèrent pour rejoindre cette cité prospère et réaliser leurs rêves les plus fous. Il fallait toutefois noter que la majorité des expéditions menées dans les terres se soldaient par la disparition des pillards, mais cela ne refroidissait pas les maraudeurs aveuglés par leur soif de richesse. Malheureusement, un groupe de pillards inattentifs attaqua une cité-temple encore habitée par des hommes lézards. Ceci les conduisit à leur perte, mais la particularité de cette rencontre, qui n'était pas la première puisque d'autres groupes de pillards s'étaient déjà frottés à des hommes lézards, est que certains d'entre eux ont réussi à s'enfuir et retourner à Skegi avec des artefacts d'une valeur inestimable pour les hommes lézards. Ceci mena les hommes lézards à prêter attention à cette ville humaine qui n'était jusque-là vue que comme une nuisance, mais finalement assez peu importante ni très dangereuse. Par contre, le vol de ces artefacts poussa les hommes lézards à réagir et ils envoyèrent une cohorte de skinks afin d'assiéger la ville. Lors du siège, et sentant que la situation n'était pas du tout à leur avantage, l'Ostérixon ordonna que tous les trésors dérobés soient jetés par-dessus la palissade afin de calmer les skinks qui étaient sûrement venus pour récupérer ces objets. Son plan a fonctionné, puisque l'assaut a immédiatement cessé dès que les premiers objets ont pu être lancés par-dessus la palissade. Les guerriers nordiques, ayant regardé par-dessus la palissade, se sont vite rendus compte que les skinks n'étaient pas venus récupérer le trésor, mais bien une seule plaque d'or gravée de glyphes. Une fois ceci parti, ils se précipitèrent afin de récupérer le trésor qu'ils venaient de jeter par-dessus la palissade, et ils ne manquèrent évidemment pas de remarquer que chaque skink était paré de nombreux bijoux en argent et en jade. Les rumeurs concernant les richesses de Lustrie et la grande ville de Skegi ont fini par atteindre les tavernes de l'Ancien Monde, que ce soit dans l'Empire, la Bretonnie ou les Royaumes du Sud. Il ne fallut d'ailleurs pas très longtemps avant que des rumeurs d'or suscitent l'intérêt de tous les nains qui les entendaient. Un grand nombre de colons continuèrent d'affluer par les ports de la ville, et de plus en plus d'expéditions furent menées à l'intérieur des terres. Les hommes lézards devenaient d'ailleurs de plus en plus présents dans les terres avoisinantes et avaient pour tâche de tuer tout intrus aventureux désirant piller les richesses de leurs terres. On raconte même qu'en l'an 2273, Tyrion, le roi phénix en personne, a engagé les mercenaires de Skegi afin de soutenir sa campagne au cœur de la Lustrie. Cela prouve tout de même que les compétences des guerriers de Skegi sont reconnues tant en matière de force que de connaissance de ce terrain. La cité de Skegi en elle-même est un endroit sans foi ni loi, gouverné par des bandes rivales, puisqu'aucun pouvoir central n'a été réellement mis en place depuis la mort de l'Ostérixon. Les maisons closes, bars ou marchés aux esclaves sont nombreux, et la saleté des rues fait même penser aux égouts de l'Empire. Les Nordiques, qui construisent tout à base de bois, n'ont d'ailleurs pas bien réfléchi à la longévité de ce matériau hors de leur terre d'origine. En effet, le climat particulier de la jungle rend ce type de construction plus qu'éphémère, et les bâtisses ont constamment besoin d'être retapées, ce qui donne une allure délabrée à la majeure partie des bâtiments de la ville. De par sa nature de port pirate très lucratif, Skegi s'est souvent retrouvé la cible d'expéditions punitives ou opportunistes de la part de bien des races, que ce soit les hommes lézards, les humains, les elfes, et j'en passe. Pourtant, la ville tient bon, et rien ne semble être en capacité de la raser complètement, puisque le zèle avec lequel les Nordiques défendent leur honneur collectif et leur droit général au pillage ne se laisse pas piétiner comme ça. Très nombreux sont les assaillants qui ont tenté de réduire Skegi en cendres, mais ils ont tous, sans aucune exception, été repoussés dans la jungle par une bande de Nordiques très en colère, mais surtout très ivres. Les Nordiques qui ont grandi à Skegi se sont acclimatés depuis très longtemps à ce continent et ont développé une habileté à naviguer dans les jungles qui n'est égalée que par les natifs de cette terre. Les plus téméraires d'entre eux vont même jusqu'à voler des œufs de reptiles, tels que des sang-froids ou encore, beaucoup plus rarement, des carnosaures, afin d'élever les animaux et d'en faire leur monture de guerre si ces derniers ne les mangent pas avant. Tout d'abord, intéressons-nous à l'état actuel de Skegi dans le jeu. Cette faction nordique a été introduite par Total War Warhammer 2 et se situe, conformément au lore, sur les côtes proches d'Exoatl. En Empire Mortel, si vous jouez avec une faction nordique, vous pouvez construire un bâtiment unique nommé la Grande Salle de l'Ostérixon, qui confère des bonus au recrutement, à l'ordre public, à la reconstitution des unités, mais aussi une production de ressources viticoles. Cette faction est menée par le seigneur nommé l'Ostérixon, qui porte donc le même nom que le fondateur de cette ville. Vu la temporalité, je ne pense pas qu'il s'agisse du même l'Ostérixon, mais plutôt d'un de ses descendants, bien que nous savons que Creative Assembly ne respecte pas toujours la temporalité dans la saga. En effet, nous pouvons citer Réponse de Lyonesse,
qui est une Bretonienne qui est en réalité née 5 siècles avant Karl Franz et ne peut donc pas être en vie actuellement. Nous pouvons donc nous dire qu'il est probable qu'il s'agisse bien du Lostérixon que nous connaissons. Or, et surtout au vu de ce qu'elle pourrait apporter, la faction de Skegi, comme elle existe aujourd'hui, pourrait être transformée en faction jouable, ce qui permettrait de disposer d'un nouveau seigneur légendaire pour la Norska, ainsi que d'une position de départ dans le Nouveau Monde qui trancherait avec les positions de départ actuelles de la faction. Le seigneur légendaire associé pourrait donc être Lostérixon en personne, qui disposerait de bonus de combat contre les unités larges, reflétant le combat perpétuel de Skegi contre la jungle qui l'entoure, ainsi que des bonus rendant la construction locale moins chère à réaliser, afin de souligner son statut de grand colonisateur. Nous pouvons aussi imaginer un autre type de seigneur légendaire, qui serait plutôt un seigneur légendaire sorcier, qui nous permettrait d'avoir un lanceur de sort en tant que tête de faction pour la Norska. La faction de Skegi serait acclimatée à la jungle et trouverait la toundra de Norska non viable à son épanouissement. Je ne pense pas que nous verrons arriver de nouveaux types de héros, mais plutôt de nouveaux types de montures avec les sang-froids et les carnosaures pour les seigneurs et héros de la faction de Skegi. Pour ce qui est des nouvelles unités, nous pourrions voir arriver, soit via une mécanique de campagne, soit via un recrutement particulier, les meutes de sang-froid qui viendraient remplacer les meutes de loups. Pareillement pour les carnosaures à la place des mammouths, ou encore l'ajout des bastiladons et des stégadons ou encore des salamandres sauvages. Une cavalerie de maraudeurs montée sur sang-froid serait aussi envisageable, et en termes de mécanique de campagne, je verrais bien la mécanique de chasseur de monstres emmener le joueur dans une chasse contre les monstres disponibles dans le second jeu, ainsi que des quêtes de chasse demandant à la faction de Skegi de piller les cités-temples des hommes lézards ou justement de pouvoir recruter certaines grosses unités de sang-froid ou de gros reptiles. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo sur la cité de Skegi. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et à vous dire à la prochaine fois. Bye !